première expérience, là, qu'est-ce que vous en... Ah oui, beaucoup de stress, mais j'étais rassurée par Cécile qui avait l'air très détendue. Ouais. Voilà, donc mais, quand même beaucoup de stress. Je ne vous ai pas rassurée un petit peu, moi? Tout juste. Tout juste. Oh, le tsunami là, que je viens de prendre. Là. Mais non. Mettez-le de générique, vous me suivez tous les trois. Regarde, on va. Ah, ouais, d'accord. C'était le générique. C'était les animaux du monde. Alors, un jeune homme de 21 ans est enseveli dans le sable jusqu'au cou. Il est paniqué, il a du mal à respirer, prisonnier d'un trou qu'il vient de creuser. Et problème pour les sauveteurs, plus ils s'approchent, plus le sable s'effondre. On a essayé de creuser dans son dos et nous avons fait tomber la paroi côté extérieur au trou. Et petit à petit, nous avons évacué le sable pour à peu près voir une partie de la personne qui était ensevelie. Aidé de touristes, ils se mettent alors à plat ventre pour extraire l'homme de la cavité. Qui n'a jamais rêvé justement de passer au-dessus de la circulation pour éviter les bouchons? Eh bien, une entreprise chinoise a mis au point le bus du futur, un prototype capable de rouler au-dessus des voitures grâce à un système de rails. Les premiers tests, vous le voyez, ont eu lieu hier en Chine. L'engin peut transporter 300 passagers, mais ses concepteurs espèrent bien faire une version. Les poils au vent, elle se sent déjà différente. J'ai l'impression d'être une bête de foire, de sortir d'un zoo ou quelque chose comme ça. Nous la filmons de loin. Il y a d'abord ce couple qui se retourne, puis ce retraité au regard appuyé. Ce groupe de jeunes filles qui la scrutent. 18 candidates, un jury populaire ainsi que des personnalités, Madame de Fontenay en tête, la présidente qui aime la proximité des gens, a remis à la lauréate diadème et écharpe. La page des Miss s'est tournée pour moi parce que je pense que j'ai assez... Ouais, et que je ne suis plus dans l'atmosphère que j'ai connue pendant toutes ces années. Mais du moment que ce ne sont pas des élections qui ont une suite régionale ou nationale, donc j'ai accepté. Cette Québécoise, mère de deux enfants, est mariée à un Français. La dernière fois qu'elle s'est épilée, c'était il y a 15 ans. Ça faisait mal et j'étais toujours en train d'être encore plus obsédée par mes poils, de me dire il ne faut pas qu'il en reste un seul. Puis donc ça repousse tout le temps et c'est une lutte sans fin, quoi. À son mariage, Catherine n'avait pas les jambes lisses. On vient la sortir d'un magnifique string. Derrière, je vous laisse le découvrir. On n'est pas sur une ficelle, il est quand même légèrement ouvert avec une goutte d'eau. Jusqu'à présent, c'est la chose la plus originale et la plus mignonne qu'elle nous ait montrée. Hein. Carrément. Ça vous aspire ce petit trou? Coquine. Et quand elle place sa jambe contre celle de son mari, une certaine confusion nous saisit. Vous pensez que comme ça, on ne peut pas deviner Ça serait un peu dur, parce que Catherine a aussi des grands pieds, donc la même taille que moi, donc ça serait un peu difficile. Mais je pense qu'au niveau quand même de l'architecture osseuse, on voit quand même le côté plus affiné de sa jambe, contrairement à moi. Les supporters étrangers sont là aussi, certains venus de très loin, et parfois à la force des jambes. Ce sexagénaire chinois promène son tricycle d'Olympiade en Olympiade, 170 000 km en 15 ans. J'espère que cette cérémonie d'ouverture pour les Jeux Olympiques de Rio sera exceptionnelle, belle et réussie. Seule bonne nouvelle pour Donald Trump, un nouveau soutien est de taille, celui de Clint Eastwood. L'acteur-réalisateur reconnaît certes que les propos de son candidat ne sont pas toujours très appropriés, mais il apprécie son franc-parler. C'était un brouhaha continuel de jeunes filles de 12, 13 ou 14 ans qui hurlaient leur amour aux Beatles et qui criaient, on n'entendait rien. John Lennon chantait souvent n'importe quoi. Il faisait exprès de ne pas chanter les paroles de la chanson. Il chantait n'importe quoi parce qu'il savait que les gens ne les écoutaient pas et ne les entendaient pas. Je l'ai! Oh, je suis trop fier! Oh, c'est génial! Ne lâche qu'est-ce pas que je fais? Surtout. Qu'est-ce que je fais? Allez, allez! Et là, maintenant, je le tue. Tu en bas. Tu le. Là? Comme ça? Oui. C'est génial. Incroyable. J'en reviens pas. Il s'accroche là, regarde ça. Incroyable. C'est carrément 20 milieux sous les mers là. Attends, c'est de la folie! Regarde ça! Attends, regarde ça! J'ai le garrot!
J'ai un garrot, regarde, je suis violet. Incroyable. Attends. Une image impressionnante à présent filmée par des touristes au Canada qui étaient venus voir des baleines dans un fjord au Québec. Ils en ont vu une de très très près. Elle a frôlé leur bateau. L'animal énorme peut faire jusqu'à 20 mètres de long et aurait pu faire chavirer leur embarcation. Heureusement, il n'en est rien. Spectacle aussi magnifique que terrifiant. Une image encore impressionnante en Chine, en raison des faibles précipitations, les chutes du Hukou sur le fleuve jaune ont atteint leur plus haut débit, formant ces magnifiques cascades jusqu'à 400 mètres de haut. Un spectacle fascinant qui attire de nombreux curieux. La couleur de ce fleuve est due à la présence d'un limon particulier. Tu fais tout, d'accord. Ah. Regarde, c'est pas dangereux. Ouh là là ! Oh la vache ! Ça part à une vitesse, le truc ! C'est comme dans le dessin animé, la maman de Bambi qui est morte dans les bois. Allumez le feu. Ah, c'est énorme. Allumez. Avec moi. Ouh, putain, la vache. Putain. Ah, la vache. Ah, la vache. J'ai les cheveux qui ont brûlé. Elle ne mesure que quelques millimètres de diamètre, mais cette perle d'or a une immense valeur historique. C'est la plus ancienne œuvre en or jamais découverte. Datée de plus de 4000 ans avant l'ère chrétienne, elle vient d'être trouvée sur ce site archéologique au sud de la Bulgarie. Cette perle, ainsi que de nombreux objets retrouvés, prouvent aux archéologues que ce peuple de la préhistoire qui habitait les lieux était bien plus évolué qu'ils ne l'imaginaient.